Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo vlog de notre séjour à Paris. Donc on est vendredi 27 mai, il est un tout petit peu plus de 14h. Donc ce matin, je pense que vous aurez casé quelques secondes, mais en fait on était à un rendez-vous pour Anaïs à Absolulis, à rue Montparnasse. C'était vraiment génial et je pense que j'y retournerai. Je vous mettrai en lien ou quoi un vidéo, parce qu'elle va faire une vidéo spéciale sur ça je pense, ou au moins dans son vlog, parce que j'ai vraiment tout filmé pour son vlog. Donc voilà, mais c'était vraiment vraiment super bien et c'est pas cher du tout, vous verrez tout dans... Je sais pas si vous voyez ses cheveux, mais elle a jamais eu les cheveux aussi lisses et aussi doux, jusqu'au point, c'est un truc de malade. En vrai je suis jalouse parce que moi les miens ils sont... Bref. La même, il y avait une fille avec nous, genre elle avait les cheveux mais... Enfin, boucle d'or quoi, ouais. Et elle a les cheveux gavés lisses maintenant, enfin non, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc après à voir sur la durée et tout, vous verrez tout sur la chaîne d'Anaïs parce que c'est elle qui a fait l'expérience. Sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire, on commence le vlog que maintenant parce qu'en fait ce matin on s'est réveillé 7 minutes avant de devoir rendre le Airbnb. Mm-hmm. Du coup on était un peu dans le rush, on est parti pas maquillé, on s'est arrêté à un café au Saint-Malo à Montparnasse pour se maquiller dans le café. N'y allez pas parce que, enfin allez-y parce que les serveurs sont gentils, ils vous draguent, ils vous embauchent même, mais ça coûte super cher. Moi j'ai pris un café, un expresso, hein, donc 3 petites gorgées, 2,50€, et elle a pris 25 centilitres de jus d'orange, même pas pressé, 5€. Jus d'orange. Je suis sûre qu'il était allé à Monop. Mais je pense que les parisiennes ça va pas les choquer. C'est juste que nous à Bordeaux un café c'est 1€ maximum, ouais, 80€. Enfin, j'ai payé 2,50€ et toi un jus de fruits c'est ouais maximum 3. Ouais, la briquette, enfin pour 5€ t'as le pack quoi. Voilà. Du coup bon, c'est pas grave, mais c'était quand même voilà, on a resté une petite heure là-bas. Là il est 14h, on a jusqu'à 16h et quelques pour traîner un peu. Ensuite on rentre poser nos affaires parce que comme vous pouvez voir on a des grosses poches, on a fait des achats hier, donc vous l'avez vu dans le vlog d'avant. Et voilà, à 17h on va au YouTube Space, donc là j'ai essayé de filmer parce qu'après moi ma journée ce sera terminée. Et après Anaïs, si vous voulez voir, elle a une soirée avec Octolie, elle va tout raconter sur son vlog à elle. Ah oui, je voulais aussi vous dire que quand on était au salon Absolulis pour Anaïs, on était avec deux autres youtubeuses, donc il y a une blonde à qui on n'a pas parlé, je sais même pas comment elle s'appelle en vrai. Nina je crois. Nina, mais je sais pas si c'est sa chaîne. Et on était avec Alma, et donc du coup je l'ai un peu filmé et on l'a beaucoup mis dans le vlog d'Anaïs, donc on vous mettra sa chaîne en barre d'infos parce que voilà, elle était super sympa. Et c'est d'elle dont on parle dans le vlog d'Anaïs, donc on dit qu'elle a les cheveux vachement bouclés et qu'elle l'a fait, c'était vraiment ouf. Donc voilà, comme elle apparaît sûrement dans mon vlog et dans celui d'Anaïs, je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Et si tu passes par là, coucou. Zubin. On est chiante. Ça me fatigue. Elle déjà, elle, je me dis qu'elle fait ça toute la journée. Mais je crois qu'elle fait ça toute la journée. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Reste. J'ai rentré chez ta mère. Reste à ta place. Oh, ça se voit que je me suis maquillée dans un bar. Hein. J'ai raconté ça dans le vlog. Est-ce que j'ai raconté que je m'étais maquillée dans un bar? Donc là, on vous retrouve, il est 14h50. Ça fait 50 minutes, on n'a pas bougé. On a tourné un petit lookbook. Vous verrez ça sur nos chaînes. On sait pas trop encore. C'est filmé, mais on sait pas quand est-ce que ça sort. Donc il est 14h50 et on rentre à 6 km à faire. À notre dodo, enfin là où on dort cette nuit, à pied. Donc voilà, je vous vlog. Je suis vivante à 14h50. Si je revoque plus après, c'est que j'ai pas survécu à ces 6 km. Tout le monde, on se retrouve, on est dans les toilettes de la YouTube Space parce qu'en fait, c'est ouf, donc on va se faire des youtubeuses qu'on aime trop, mais on est des grands stars, du coup on va dans les toilettes pour filmer parce que là-bas on n'ose pas. Il y a des déodorants et des serviettes hygiéniques gratuites. Ça sent un petit peu petit ici. Exactement. Alors, je vais y aller. Non, mais il y a des enfants de gratuits. C'est vrai qu'on me filme pas. Pendant que j'y visite. Mais encore, je viens pas avec toi. Il y a des temps. On est actuellement à la soirée du YouTube Space, donc on a rencontré Manon. C'est une super belle fille. Voilà, me concernant, je fais des vidéos de mode, de beauté, etc. pour hommes. Il n'y a pas de make-up, etc. C'est une chaîne de malade, je vous invite à regarder. Ça s'appelle So Style, S-O. Je vous mettrai tout ça en barre. Moi, je fais une chaîne mode et beauté, ça s'appelle Vintage Is Back. C'est trop bien. Donc, moi, je fais de l'humour sur mon canapé et tout, parce que j'aime bien. J'aime bien. Et sinon, mon autre chaîne, c'est Monkey D. Shady. Écris-le en barre d'infos. Voilà. On te voit oh là plus. Là, quel privilège. On te voit plus. Je m'appelle Lucas, aussi connu sous le nom de Squeezie. Mais abuse pas de toi, sérieux. Ok, bah moi je fais tous les vidéos sur Dailymotion. Comme on fait le du tout. Pas du tout, en fait, non, pas du tout. Lors d'Unicorn, L.E.R. des Unicorn. Pareil, en barre d'infos. Okay. Donc toi, tu fais être sérieux deux bon, secondes. Bon, allez, ouais, non, il faut être sérieux, Antoine. C'est pas parce que t'es mineur. Je m'appelle Antoine. Et tu fais des vidéos de science. Et ma chaîne s'appelle Antoine versus science. T'as pas besoin de moi. T'as intérêt à mettre ce plan dans ton vlog. Sinon, bon, j'avoue que t'habites loin quand même. Bordeaux, ça fait loin. On est d'accord. C'est quoi la menace? C'est quoi la menace? C'est où Bordeaux? Ouais, Bordeaux, c'est dans le sud, mais c'est super loin. Mais t'es la menace. Faut trouver une menace. Alors, si tu nous mets pas dans le vlog,
ta chaîne sera supprimée. Voilà. Pas moi. Moi, personnellement. Voilà, personnellement, il se charge de je ça. Je travaille chez YouTube et voilà. C'est vrai. Bah, il connaît beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde. Je suis dans le game. Voilà. Regarde, elles sont là-bas. Elles sont là-bas. Ok, je voulais m'exprimer par rapport à quelque chose qui me gêne un peu, je fais un petit coup de gueule. Moi je trouve que sincèrement une chaîne où voilà on a des stats à 90% de filles, 90% de garçons, si ça c'est pas du sexisme, qu'est-ce que c'est? Et je trouve que voilà, YouTube tout le monde regarde et je pense qu'il faut que voilà, oui on est d'accord, il faut que ce soit arrêté. Ouais. Non, je suis d'accord. Ouais. Non, ouais. Je pense que c'est arrivé n'importe quoi et je pense qu'il faudrait penser à les conséquences, comme par exemple imposer la fichier sur le garçon sur la deuxième partie de l'écran. Ouais. Bon, on a terminé. Oui. Voilà. Ouais. On espère que ce message est clair. Voilà, et que c'était notre coup de gueule. Voilà. Voilà. Je pense que c'est n'importe quoi. Elle est fermée quand on va faire son coup de gueule. Oui, mais t'as là une caméra dans sa main. Impassible. Ouais, non. Hello. Nous présentons Manon. Alors, on vous offre un plat ici, ça coûte 4 euros. Alors, ça coûte 4 euros. Et je suis en plus. C'est bon, bon ou pas? Ça va. C'est frais, ça va. C'est top, ça va. Et vous, on est où là? Je crois qu'on est à Pony. On est à Paris, voilà. On est à Paris dans un bar. Polo Pony Polo. Dans le 9ème. Ouais. Si vous voulez venir, bah. Je sais pas parce que c'est un montage, donc c'est trop cool, il y aurait personne. C'est trop tard, on sera plus là. Recoucou, donc je reviens pour la dernière partie de ce vlog. Désolée si j'ai une voix un peu grave, mais là je suis fatiguée de ouf. Ça fait 3 jours que je dors même pas 2-3 heures par nuit, donc là c'est un peu dur. Comme vous avez pu le voir à la fin, je suis en train d'enlever mes chaussures. Comme vous avez pu voir à la fin de ce vlog, il n'y avait plus du tout Anaïs parce qu'elle est partie faire une soirée avec Octoly. Enfin, vous verrez tout ça dans son vlog de toute façon, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans l'après-midi. Et donc, moi je suis restée au YouTube Space avec. Avec Lucie et avec plein d'autres petits youtubeurs, on va dire. J'ai rencontré vraiment un groupe super super sympa. Normalement vous les avez vus juste avant parce qu'ils ont pas mal filmé, ils m'ont piqué mon vlog. Donc voilà, donc je suis vraiment super contente de les avoir rencontrés. Franchement j'espère qu'un jour en remontant sur Paris je pourrai les voir. Et j'essaierai de vous mettre le nom de leur chaîne en barre d'infos parce que ça serait cool que vous voyez qui sont ces gens qui apparaissent dans mes vlogs. Voilà. Donc voilà, donc pour vous raconter un peu la YouTube Space, j'ai pas beaucoup filmé, j'avais dit que je ferais un vlog de ouf à la YouTube Space, que j'allais tout filmer et tout, mais en fait j'ai pas trop osé. Déjà parce que j'ai eu la chance, en étant une petite youtubeuse, d'avoir été acceptée pour la Happy Hours, et puis parce que, voilà, je voulais, enfin, comme j'étais une petite youtubeuse, j'avais pas envie de me faire remarquer à faire genre la grosse groupie le premier jour, voilà. Et en plus parce que, ouais, j'osais pas trop, il y avait pas mal de grands youtubeurs, j'étais trop contente de les voir, mais j'ai pas fait, je suis pas allée les voir particulièrement, mais voilà, c'était quand même cool de les voir. Pour vous dire vite fait, il y avait en beauté, il y avait Auréa, Léa, Juliette, qui c'est qu'il y avait, il y avait Caroline, il y avait aussi l'autre Caroline, mais je sais plus ce que c'est, Chippy, je sais plus ce que c'est sa chaîne, bon je vous l'écrirai là, je me rappelle plus, mais là je suis fatiguée. Hein. En beauté, il y avait qui d'autre? J'ai vu aussi, je crois, il y avait Clara Chanel, mais elle est pas restée longtemps avec son amie, là je sais plus comment elle s'appelle. Quoi d'autre? Donc ensuite oui, ça a fini à 20h, on est tous partis à 20h, on partait dans les derniers d'ailleurs parce qu'on était en train de parler et voilà, on est partis dans les derniers. Et ensuite on s'est dit, donc notre petit groupe, qu'on allait boire un coup, donc normalement vous avez vu les images juste avant parce que c'était la dernière fois que j'ai sorti ma caméra de vlog, donc voilà, on est tous allés boire un coup, c'était super cool. Et vers 22h on est tous partis pour rentrer dans nos logements ou quoi, il y en a qui sortaient, mais bon moi je suis un peu fatiguée donc voilà, je sors pas. J'espère que ce vlog va pas être trop long parce que normalement je dois faire toute la journée de demain aussi. Donc voilà, j'ai un peu beaucoup papoté ce soir, mais c'est parce que j'ai pas vlogué au YouTube Space, du coup je voulais quand même un peu vous raconter, et franchement c'est un truc de ouf, je pense que je pourrais en parler trop longtemps, ça me fait trop trop plaisir ces 4 jours là. J'ai une sale tête là, je suis désolée, la fatigue ça va plus. Je viens de regarder les rushs que je viens de faire, j'ai une voix, on dirait, mais c'est ouf, pourtant j'ai pas crié ou quoi, mais je pense que c'est la fatigue et j'arrête pas de parler depuis 3 jours là, ma voix elle comprend plus rien, on dirait que je suis un bonhomme. Alors aujourd'hui je vous retrouve, on est samedi 28 mai, donc avant de vous raconter et de vous parler d'aujourd'hui, je vous mets juste les quelques petits passages que... Anaïs est en train de tester l'overboard. Tout va bien. Et donc avant de vous parler d'aujourd'hui, je vous laisse avec les quelques images que j'ai filmées à Get Beauty et je vous explique après notre journée.
Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas filmé du tout beaucoup à la débutée, tout simplement parce que déjà on y est allé à 13-14h. À quelle heure on est parti? Très ouais, 13-14h, on s'est levé tard, on a un peu rangé nos valises, etc. Et on y est allé pour l'après-midi. Du coup voilà, on n'a pas beaucoup filmé. Comment vous voulez être sérieuse? Ça va, tu galères pas trop? Franchement, tu tiens pendant 5 minutes. dans un 10 mètres carrés, c'est petit. C'est vrai que oui. Du coup, comme je vous disais, donc on n'a pas filmé beaucoup parce que tout simplement on n'a pas vu de youtubeuse ou quoi. Comme vous avez pu voir, j'ai vu Gwen. C'est la seule pour qui j'ai fait la queue parce que voilà, ça fait 2 ans que je la suis. Enfin, même 3 ans que je la suis. We are the champion. Ah merde. Je vous disais, ça fait depuis qu'elle a commencé que je sais plus combien de temps ça fait que je la suis et qu'on discute un petit peu sur Twitter, etc. Donc j'étais vraiment trop contente de la voir. Mais à part elle, on n'a pas fait la queue du tout avec Anaïs, on s'est baladé, on a pris plein de photos à tous les petits photocalls, on a pris notre photo toutes les deux, donc voilà, c'était plutôt cool. C'était très bien, mais bon, c'était sympa, on va dire, il y a une ambiance assez hystérique, nous on n'est pas trop comme ça. Mais bon, c'était sympa, on croisait des gens qu'on connaissait plus ou moins de vue, on envoyait d'autres et tout, puis on a fait les photos comme on vous a dit, donc c'était sympa. Là, il est 20h-10, on va tranquillement finir de préparer nos affaires, etc. Puis ensuite, on va aller sûrement manger un kebab juste dans les alentours. Et on s'en va vers 22h30 pour notre bus qui est à 23h. Donc voilà, et on a 7h du bus. On arrive demain à Bordeaux à 6h du matin. Donc voilà, donc encore une fois, désolée de ne pas être une vlogueuse en herbe. Mais bon voilà, c'est le premier que je fais face cam. Et puis même, en fait, on a encore passé que 4 jours ici avec Anaïs. On avait un peu envie de profiter et pas de passer notre temps à dire est-ce qu'on filme? Qu'est-ce qu'on filme? J'avoue! Ouais! Voilà! Du coup, on n'a pas beaucoup filmé, autant elle que moi et encore moins elle. On a voulu vous faire partager ça, mais sans trop filmer et en se concentrant quand même sur ce qu'on vivait en vrai. Donc voilà, sinon c'était 4 jours super. Merci d'avoir eu. Ben, merci à Maquille Forever d'avoir invité Anaïs et merci à Anaïs de m'avoir invité parce que du coup, on a fait 4 jours à Paris. Le plus important, c'est de profiter et pas de filmer. Exactement, bon là j'ai un peu changé de sujet, voilà. Mais sinon oui. Et rappelez-vous que seule l'audace paie. C'est la citation d'Anaïs. Seule l'audace paie. Voilà! Sur ce, je pleure. Je t'ai regardé à travers tout. Ah, tu pleures. Je sais que l'audace, c'est d'autres trucs, mais c'est pas grave. Donc, sur ce, c'était super les 4 jours. On a kiffé. On va se revoir très bientôt avec Lucie aussi, que vous avez peut-être vu hier, un peu dans où il y avait tous les petits youtubeurs là. On se reverra très bientôt. C'était super cool. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et ben, moi, je vous dis à très bientôt. Ah non, faut qu'on filme dans le bus. Ciao. Elles sont belles quand même, ces lunettes. Ouais. Même si on va pas avoir les deux. Résultat, les théorèmes, ils sont trop bons. C'est merveille. On a pris avec des galettes au lieu du pain, mais c'est trop bon. Le mec était trop gentil, puis c'était un kebab gavé clean, enfin... Des fois, il y en a, c'est un petit peu, ça donne pas envie. Et là, c'était trop bien. Bon. C'est trop gros, les frites, elles sont trop bonnes. On les répète. On va pouvoir bien dormir dans le bus, on sera grosse, c'est génial. Comment on dit vlog Inception. Vlogception. Coucou. Coucou les abonnés d'Anaïs. Coucou les abonnés de Manon. Coucou. Pourquoi on a l'impression qu'on est tout le temps défoncé? Pourquoi? Je me pose la question. Empathique, s'il vous plaît, venez m'aider.